connaître la nouvelle musique. Alors, il ne joue pas vraiment du jazz, hein, c'est encore un peu lourdingue, redas, etc. Mais eux vont être complètement repérés par les intellectuels parisiens, alors que Jim Europe et les autres orchestres militaires n'ont pas du tout été identifiés par l'intelligentsia française pendant la guerre. Pour une bonne raison, c'est qu'ils étaient au front. Et que les intellectuels français, ils étaient à Paris, à Saint-Germain ou dans le 16e. Noble Sissol, qui était le bras droit de Jim Europe, excellent chanteur, mais pas du tout un bon jazzman, va créer des orchestres. On continue. Et on le retrouve à Paris, aux ambassadeurs, en 28, avec un petit bonhomme ici, qui joue du baryton, de la clarinette et du soprane, qui s'appelle Sidney Bechet. Oh.